merci pour tous ces mots, ces éloges et à l'endroit des femmes. Et je pense qu'il y a des éléments qui sont là-bas. Et elle est venue dans son devoir de faire ça pour les bien qui devaient venir à l'intérieur. Et voilà, si la chose au point là, si la chose au mon repas là, mon repas au haut de là, mon repas à faire c'est à son repas là. Et Amé Nisondia Keleka, Amé Bonyani Karama Keleka, mais Amé Sewa Fala Keleka, parce que avec le Tambobi, et Mali Fanglo, nous Sigana Bama Alpha, ça va bien que nous allons aller à la Jamaï. Et un bel pilote qui est là pour faire la manica. Au Nisondia, au B, un malien, on a Alsa. Kadine, Alsa, on va te faire pas pour un travail. Un pour vous y avoir fini. Nous sommes Nous avons fait un peu de temps. Ni Oye, colonel Asimi Gweta, chef de la commission. Ni Dr. Chodel Koukalabeya, chef du gouvernement. Nous avons fait un peu de temps. De toutes les conquêtes et de toutes les conquêtes. La ville des résistances et la ville des résistances. Donc, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez Je suis un peu plus de temps. Leadership, communication, gouvernance de la femme et de la jeune fille dans le processus de refondation. Aucun papier de la famille. Parce que ça, on va y aller parce que nous sommes pas la cabine d'Awané. Ou nous sommes pas la Alibi. Mais nous ne sommes pas parachés. Vous êtes ferrés dans nous. Quand nous sommes ferrés, nous n'en serons pas parachés et nous cadrons. Nous sommes pas bien la fière. Quand nous sommes parachés, nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Donc, nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui voilà ça, on a barré nous, à quatre familles à gagner, on a séjourné là, alsa. Donc, les gens qui ont fait une amie, car là, car ni pour que si la sauveur, voyez, car il n'a pas eu, au folie qu'on a fait. Donc, à force de nous sauver, pour nous barrer, ministère de la promotion de la femme, de la famille, l'autre, les répondants, voyez,
Madame la présidente du conseil régional de la jeunesse de Sikasso,
mesdames, messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les leaders des organisations de la jeunesse, chères jeunes femmes, filles leaders du Mali, chers pionniers, mesdames et messieurs de la presse, mesdames, messieurs ici présents, tout protocole observé. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer la pertinence de l'organisation du 6e Forum national des jeunes femmes et filles leaders du Mali du 23 au 25 novembre 2023, ici à Sikasso, la capitale du Kenya. Auparavant, qu'il me soit permis d'exprimer toute ma gratitude à M. le ministre des Affaires religieuses du culte et de la coutume pour avoir effectué les déplacements en vue de rehausser l'image du présent forum. Comment pourrais-je ne pas magnifier ou remercier Madame le gouverneur de la région de Sikasso et à travers elle tous les membres de son cabinet pour la qualité de l'accueil et ça dans la fidélité à nos riches traditions. Je voudrais également assurer le Conseil national de la transition à travers ses membres ici présents du soutien et de la coopération de mon département. Il ne ménagera aucun effort pour établir des relations entre nos deux cités. Je tiens par ailleurs à remercier le maire de la commune urbaine de Sikasso et toutes les autorités locales, coutumières et religieuses de la petite ville pour l'accueil et la mobilisation qui ont été réservées à toutes les délégations. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses félicitations à toute l'équipe du réseau national de la jeunesse du Mali Renagem pour les choix portés sur ma modeste personne pour présider la présente assemblée. Mesdames, le bien-être de la femme, de l'enfant et de la famille, elle constitue également une sous-activité de la semaine de la fille célébrée par le Mali dans les 4 et 11 octobre, journée internationale de la fille, au mois d'octobre passé. À cet égard, je voudrais saluer le leadership historique du Renagem, créé depuis 2002, et aussi l'originalité de cette initiative du Forum national des jeunes femmes et filles leaders que mon département soutient et encourage pour la pleine participation de cette couche importante dans le développement durable du Mali. Mesdames et messieurs, Madame le gouverneur, Monsieur le Président du Renagem, le thème de cette édition, leadership, communication, plaidoyer et gouvernance de la jeune femme et fille du Mali, dans le contexte de la refondation, cadre parfaitement avec les orientations des plus hautes autorités du Mali. En effet, sous le leadership éclairé de son Excellence Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la refondation de notre pays avec un leadership politique plus fort et résolument engagé dans une gouvernance orientée vers la responsabilisation des populations et des communautés, notamment des jeunes femmes et filles. Pendant 3 jours, les participants venus des régions du Mali et du district de Bamako vont échanger autour des préoccupations les concernant. Le 6e forum sert également de cadre idéal de sensibilisation et de mobilisation des jeunes filles et femmes autour des enjeux de développement de notre pays. Il vise spécifiquement à informer et sensibiliser les jeunes filles et femmes sur la santé de la reproduction, les VVG, l'entrepreneuriat féminin, la paix et la sécurité, la refondation du Mali. Partager avec les jeunes filles et femmes leaders du Mali les politiques nationales de l'État, les expériences et les stratégies d'information et d'intervention des partenaires en lien avec le thème général du forum. D'instaurer un dialogue intergénérationnel en vue de partager l'expertise et les parcours éloquents des femmes qui ont réussi à émerger malgré les défis qui servent d'exemple pour la future génération. Le futur forum de Sikasso est une contribution importante à la mise en œuvre de la politique nationale GAPLG et à la loi numéro 2015-052, communément appelée la loi 052, qui favorise l'accès des femmes aux fonctions nominatives et électives. C'est pourquoi nous saluons la pertinence et la portée des activités que vous menerez pendant les 3 jours, notamment l'organisation et l'animation de 5 panels, dont les panels ministériels et parlementaires, les panels sur la paix et la sécurité,
la santé de la reproduction, l'autonomisation de la femme, ainsi que le dialogue intergénérationnel sur le parcours des femmes inspirantes. Je dois aussi vous remercier pour la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein qui sera organisée dans les quartiers de Sikasso, ainsi que le sport de masse qui nous permettra de nous maintenir en très bonne santé. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le gouvernement, à travers mon département, s'emploie quotidiennement à apporter des réponses concrètes aux préoccupations et aspirations de la jeune femme et fille malienne. En témoigne l'élaboration de la PNG, la création des maisons d'autopromotion et j'en passe. À la lumière de tous ces efforts, vous conviendrez avec moi qu'il est plus important d'investir dans la promotion de la femme et de la jeune fille afin de leur permettre de jouer pleinement leur partition dans le développement de notre pays. Mesdames, Messieurs, distingués invités, du haut de cette tribune, c'est le lieu d'affirmer haut et fort que la refondation tant prônée et souhaitée par nos concitoyens ne se fera sans les femmes et particulièrement les filles, lesquelles sont nul doute les mères et les grand-mères de demain. C'est pourquoi j'invite les participants et participantes à ce forum important à faire une analyse objective de la situation générale du pays et de celle des jeunes filles et femmes en particulier, afin de mieux positionner cette couche actrice du développement et de refondation de notre pays. Pour ma part, mon département qui est associé à cette activité depuis son lancement en 2015 ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre des recommandations et du plan d'action qui s'intéresse. Je puis également vous assurer de ma disponibilité à collaborer durablement avec les RENAGEM qui a déjà fait ses preuves à travers de nombreuses actions. Il me plaît également de reconnaître et de saluer les efforts des partenaires qui vous accompagnent dans le cadre de cette activité, notamment le projet SWET, UNFPA, ONIFAM, Save the Children, pour leur soutien à la tenue de cet important forum. Je voudrais particulièrement remercier mes collègues ministres qui, malgré leur calendrier chargé, ont bien voulu être avec nous dans le cadre de la solidarité gouvernementale. Ces remerciements, je voudrais associer les autorités régionales de Sikasso, au premier rang desquelles la toute première femme gouverneure de Sikasso. Mon engagement personnel a motivé le choix de Sikasso pour célébrer la femme et la fille malienne. Il est également agréable de constater la mobilisation de l'organe législatif de la transition, le CRT, à travers la présence du conseil de l'honorable Khadija Sangaré et de l'honorable Aïchata Sissé Ditcha. Toutes choses qui doivent faciliter la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de ces forums. Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer une fois de plus saluer les RENAGEM et dire à ce public charmant que les RENAGEM est un modèle de développement. Thank you.